L'État du Sénégal, à travers le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a lancé le programme École Entreprise et le centre de Djeréna dans le département de Bignona est retenu pour la mise en œuvre de ce projet. C'est un programme initié par le gouvernement du Sénégal pour changer, prendre une autre méthode de formation. Vous savez qu'il y avait une formation classique où l'élève aller uniquement à l'école. Maintenant, la formation école-entreprise permet à l'élève d'aller en même temps à l'école et à l'entreprise. Donc, pour le programme école-entreprise, l'apprenant a deux lieux. Il y a le centre ressources pour la formation théorique et l'entreprise pour la formation pratique. Donc là, on veut que l'apprenant, à sa sortie, puisse vraiment avoir un métier. Ce programme va offrir de réelles opportunités aux jeunes pour leur insertion et c'est la raison pour laquelle l'État y met les moyens qu'il faut. Programme qui accorde des allocations donc aux apprenants par mois pour les motiver mais aussi pour leur permettre de bénéficier d'une formation de qualité étant entendu que la meilleure façon pour assurer l'insertion harmonieuse des jeunes au sein des organisations aussi bien dans les entreprises, dans le public que dans le cadre de l'auto-emploi. Je disais donc que la meilleure façon, c'est de les outiller en qualité. Et cela passe par une formation. Et le Sénégal, donc, depuis le lancement de ce programme en 2018, a choisi de mettre du contenu véritablement dans le PF2E pour permettre aux jeunes Sénégalais, en tout cas enrôlés, de pouvoir s'offrir les meilleures opportunités dans le cadre de leur insertion. Pas moins de 3000 jeunes sont concernés par ce programme de formation assorti d'un diplôme d'État dans le domaine que l'apprenant choisira lui-même.